BFM TV, il est 8h moins 10. On dit souvent que la société française a besoin de héros. Elle s'en est trouvé un ce week-end en la personne de Mamoudou Gassama, qui est avec nous ce matin dans Première Édition. Mamoudou a sauvé un enfant de 4 ans en escaladant à main nue la façade d'un immeuble du 18e arrondissement de Paris samedi soir. Et à vrai dire, on ne se lasse pas de revoir ces images, Christophe. Eh bien non, on ne s'en lasse pas. Parce que 4 étages, on se dit, Mamoudou, vous avez pris des risques considérables. Vous n'avez absolument pas hésité lorsque vous avez vu ce petit garçon pendu? Non, non, je n'ai pas hésité. Vous saviez que vous aviez la force dans les bras pour monter jusqu'au 4e? Si, si. Et à ce moment-là, est-ce que vous dites, je prends un risque, mais tant pis, j'y vais? Si, parce que j'ai vu, je n'ai pas pensé rien de moi. Alors j'ai vu, un enfant de 4 ans, il est dans cette situation, donc je n'ai rien pensé. Voilà, j'ai pensé de le sauver et Dieu merci, je le sauver. Voilà. Lorsque vous arrivez là, tout près de l'enfant, il vous dit quelque chose, l'enfant? Il n'a rien dit avec moi. Quand je le prends, je le demande, je dis pourquoi tu as fait ça? Il n'a pas parlé. C'est une bêtise. Voilà, il n'a pas parlé après. Et donc là, vous le prenez, c'est ça? Et vous le remettez de l'autre côté de la barrière? De l'autre côté, si. Et après, là, j'imagine que vous réalisez ce que vous avez fait. Vous voyez le vide devant vous, vous dites... Dans l'appartement, c'est là que ça m'est arrivé, moi, les antennes de trembler. Dans l'appartement, il y avait l'appartement, personne. Si. Quand on était avec les policiers, voilà. Mamoudou, vous savez où vous allez dans 2 heures? À l'Elysée. Alors on va aller tout de suite à l'Elysée, rejoindre notre envoyé spécial, Igor Saïri. Le président de la République, Igor, a tenu à recevoir Mamoudou et sa famille, puisque son grand frère est là, on va l'entendre dans quelques instants. Quels sont les arguments de la présidence? Mais qu'il faut féliciter ce jeune homme de 22 ans, jeune malien, sans papier. Un rendez-vous à 9h50 hein, précise. Effectivement, le chef de l'État va recevoir en personne Mamoudou. Il s'agit évidemment de félicitations, mais comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, cet acte d'une immense bravoure, fidèle aux valeurs de solidarité de la République, doit lui ouvrir les portes de la communauté nationale. Ce geste qui a sauvé un enfant sans penser à sa vie, eh bien, doit être récompensé. Voilà la teneur d'un tweet de Benjamin Griveaux dans la nuit. On peut donc imaginer qu'il va y avoir un geste. On sait par ailleurs qu'à l'agenda du président de la République, il y a ce rendez-vous hebdomadaire avec Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Un rendez-vous, un entretien qui aura forcément une teneur particulière. Vous allez voir le président de la République impressionné, ému, fier? Comment avez-vous su que l'Elysée voulait vous rencontrer? Diaby, vous êtes le frère de Mamoudou. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour je rencontre le président de la République française. Et moi, je suis un travailleur à Paris et souvent je passe devant l'Elysée. Mais je n'ai jamais rêvé qu'un jour je rentre à l'Elysée. Alors racontez-nous un peu votre histoire à tous les deux. Vous êtes le grand frère de Mamoudou. Ouais. Mamoudou, vous êtes arrivé en France il y a quelques mois, en septembre, c'est ça? Septembre, le 16 septembre 2017. Bon, Mamoudou, il est venu. Moi, tant qu'il est né, je suis des grands frères, presque des 9 enfants. Donc, c'est la première famille qui vient en France, c'est moi. Donc, j'ai fait tout, que Mamoudou, et j'ai un autre frère qui aujourd'hui, il est parti travailler. Donc, on est venu en France. Bon, malgré le travail qu'il a fait, c'est franchement, c'est incroyable. Qu'il soit un bon boulot. Mais comme moi, je vous dis que j'ai travaillé à Paris. Aujourd'hui, tout le monde va voir ses images aujourd'hui. Que demain, si je vais travailler, à mon avis, ça va être en grande ambiance. Parce que je connais tous les commerçants. Sur les 20 quartiers de Paris, c'est pas un rue que je passe pas. Il n'y a pas un avenir à Paris que je ne connais pas par cœur. Qu'est-ce que vous allez dire au président de la République, Mamoudou, qui va sans doute vous féliciter? Si, je vais les remercier beaucoup. Voilà. J'ai lu aussi que, pour vous, c'était naturel de faire ce geste-là. Aider un enfant. Vous étiez prêt à risquer votre vie, ce que vous avez fait d'ailleurs samedi soir. Oui, si, mais je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé que, voilà, que je peux tomber. Alors, moi, j'ai mis dans mon tête que je peux le sauver. Voilà, c'est ça. J'ai eu le courage. Quand je l'ai attrapé le balcon, ça me donne le courage aussi de monter de fort. Voilà, c'est ça. Vous voulez demander quelque chose au président de la République? Allez-y. Profitez-en, c'est moins impressionnant devant nous, peut-être. Si vous voulez me rencontrer, pas de soucis, voilà.
C'est ça. Oui. Ziabi. Bah, je vais la rencontrer. Déjà, les premiers points, déjà, on est là. Quand on va être en France, d'abord, il faut être régularisé. Et, vous n'avez pas de papier français? Que, non, pas de papier français. Ne pas être régularisé en France, il peut travailler dans bonnes conditions. Ouais. Et dès qu'on travaille, il faut qu'on ait un logement. Là, on a une belle vie. Et le reste, ça nous reste à travailler. Aujourd'hui, vous vivez où? On habite au foyer. Voilà. Donc, c'est une situation très grave qu'il habite au foyer, qu'il n'y a pas de place. Mais malgré, on fait avec. Donc, comme il a vu cette situation, qu'on peut profiter de demander. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Merci. Sur BFM TV dans Première Édition. Merci une nouvelle vous. Fois, bravo. Merci. Merci.